Et bien salut à tous, c'est Zoro, on se retrouve pour la suite de Secret of Mana. Et on s'est arrêté ici après avoir découvert cette petite boule de cristal qu'il faut activer avec la magie ou le Wumang d'après les commentaires. Donc merci à celui qui me l'a dit. Et j'ai enfin, oui, j'ai enfin level up et équipé les personnages. Donc vous verrez qu'ils sont beaucoup plus résistants. Donc, et j'ai aussi, oh là là, attention, j'ai réussi à trouver la touche pour changer. Ouais, j'avais trouvé la touche, c'était Y, mais j'avais pas configuré la touche, donc maintenant elle est configurée, donc c'est bon. Donc, hop. Akiragaba ! Ah, ouais, le moment que ça. Comme ça, c'est le moment. Pas le Wumang. Ah. Bon, il doit avoir une intuition. Ah voilà. C'est bon, c'est activé. Alright, bon bah allons-y. Allons-y. Bonjour. Oula. Bam. Ah sérieux, je suis sous l'effet de... Boum. Wow. Encore un. Voilà. Boum. Bam, t'es mort. Attendez. Boum. Raté. Ouais, enfin, il va seulement entendre. Mais wesh. T'as touché. Voilà, merci. Bam. 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 Et bam. Ah non, raté. Ah c'est ça, est-ce qu'il vous signe augmente au cœur rate? Ça marche bien ça. Ouais non ça marche pas. Ah mais il y a des portes là. Ah non. Fuck. Ok. Alright. Me disait aussi. Ah oh, non pas dégluant. Mais tu peux pas. Une est activée.
Bam. 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 Oh bah. Pas un piège, s'il vous plaît. Merci, bon, bon, c'est nice. Ah bah voilà. Ok. Ok, alright. Salut. Wesh! Dégage! Fais mal! Extrêmement mal. Nari. Ah, ça c'est grave. Attendez, faut tuer celui-là. Bam. Allez. Ah bah t'es mort déjà. Niveau 12, ok. Oula oula oula, y'a du monde. T'as pas besoin de tuer, pas besoin de tuer, pas besoin de tuer. Y'en a, y'en a. Ah pas venir hein. Ah si. Elle vient. Mais elle est coincée. Reviens. Voilà, ça c'est un coup critique, c'est nice. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Voilà. Wow! Il est fort là lui. Ok. Avançons, avançons. D'accord donc le. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là lui? Wesh! Il me fait trop peur, wesh! Il y a un pas de guérison qui marche correctement. Non. Oh. Genre, je fais ça. Allez. Alors là, mon frère. Ah, il va falloir que je le soigne. Fort mal. Oh putain, il a tué. Allez-toi, allez-toi. C'est une saloperie cette bête. T'es plus sous l'effet? Allez! Merci. J'ai perdu Agito, mais c'est pas grave. Oh non, pas ça. Ah, t'es poussé l'effet! Mais non! On recommence pas! Putain! Pas possible! T'es pas mort encore! Merci! Mon dieu! Ah punaise, je suis dans la merde hein. Voilà.
C'est dans cette salle que doit se trouver la graine. On ne peut pas laisser Agito dans cet état. Quoi ? Faut que je soigne, c'est sérieux ? Oh là là. Moi je vais faire le plein. Allez, faire le plein de. De popo. Allez. Oui, j'ai pas mal XP donc j'ai pas mal de PO. Hein. Ouais, plus de place! De rien. Allez, allez, laisse-moi partir. Merci. Bon, on va aller dormir un coup. Dormir un coup, là-bas. Bah vas-y. Tant qu'à faire. Anti-cinématique. Bon, la véritable apparence d'Anis me fait réaliser à quel point la magie peut être puissante. C'est vrai qu'il recul qu'une vieille dame inoffensive se changerait en sorcière, ce serait effrayant. Dis Zozo. Oui, quoi? La dame Anis a été gentille au départ, hein. Mais c'était une dame ordinaire en fait. Mais c'est la magie qui a changé en changeant en ça, c'est ça? Avec un de mes sangs, est-ce que ça donnerait? Peut-être que cette personne se changerait en sorcière encore plus méchante. N'est-ce pas? Alors imagine un peu si Liz obtenait un grand pouvoir. On serait perdu, on serait horrible. Ah non, j'ai pu dire, désolé. Ce serait horrible, on serait perdu, c'est sûr. Non mais donc, vous deux, qu'est-ce que vous insinuez? Allez, dodo time. On va juste faire un truc vite fait. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'a dit de mettre la lance. Voilà, j'ai mis la lance pour Liz, pour qu'elle soit moins exposée. Même si c'est pas elle qui rêve le plus, hein. C'est le petit Agi qui crève le plus. Bien sûr. Tout en respawn. Bon, lui il va voler. Pas mal. Bam. Un coffre, nice. Plus de place, hein, alright. Hop.
Non, nice. Bro, il a pris cher là. Ça. Nice. Niveau 11, c'est cool ça. Hop, toi tu as crevé aussi. Désolé, il y a beaucoup de petits combats de merde. On va arriver au poste, ne vous en faites pas. Lui, on l'a vu la dernière fois. Bam. Bam. Nice, pas besoin de sonner comme ça. Tiens, que de se trouver la graine. Oula, t'es qui toi? Dis donc, qui vous a permis d'entrer? C'est mon territoire, alors dégagez. Dégage toi-même, on est pressé. Insolent, je te donne une leçon. Prends ça. Laisse-le pas faire. Oh là, ça se gâte, je file moi. Regardez, il y a quelque chose. Wow. Ah, boule de feu, on va prendre cher. Ouch. Agis, bouge de là. Bam, 76, nice. Avec de lave, putain, niveau 4. Oula, grand tas. Voilà, parfait. Boum. Il meurt pas encore. Prends tellement cher. Allez bébé. Attendez. Nice. Pas mal le putassine. Il faut que j'utilise beaucoup plus sa magie, franchement j'ai pas l'habitude. Bravo. Tenez, une sphère de hache. Une sphère de hache, hein. Traduction foireuse. Salut toi. Oh merci, vous êtes fort. Il m'a persécuté, vous savez. Il me suis mis à me comporter comme lui, pardonnez-moi. Ma question, c'est de faire donner devient mon serviteur. Je n'ai pas mon larbinzo à donner une leçon. Non, pardon, je me mettrai à votre service. Et là, qui te traite de larbin? Bref, appelez-moi quand vous aurez besoin de moi. Je peux là à vos secours, où que soyez, allez fermer les yeux. Allez, fermez les yeux, patron. Je donne ma magie ainsi qu'à à votre dame. Hein? Depuis quand on est mariés? Ah, tu me plais, gnome. Je m'en retire à bientôt. Ah, c'est l'esprit de terre. Vite, la graine de mana. Manger la graine de mana. L'épée entre symbiose avec la graine. Allez, Agito. Ah, j'ai mal à la tête. Aïe. Tout va bien? Agito, ça va? Oh, bonjour. Bye.
Non, toi, c'est pas le moment de faire un somme. Du coup, j'ai fait un rêve au cours duquel j'ai retrouvé la mémoire. Je viens d'un village dans la forêt des autres terres. Faut que tu me ramènes là-bas. J'essaie de tenir compagnie jusqu'à là, alors sois reconnaissant, hein. Pouf, comme tu voudras. Ok. On va un petit peu avancer parce que je suis sûr qu'il y aura une cinématique encore. Attendez, parce qu'on a pas fouillé ça. Non, y'a rien. Je parie qu'on doit faire de tous les boss. Y'a plus de boss. Y'a plus de boss. Ok. On va y aller à pied, tranquille. Même si je pourrais utiliser. Ouais, bon. C'est la corde magie, hein. Dozu, m'entends-tu? Le chien n'est toujours pas revenu de Pandora. Je sens une présence maléfique aux ruines de Pandora. Va voir ce qui se passe. Sur le cas, il faut aller aux ruines vite. Ah bah parfait! Parfait, parfait! Donc nous, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'après, on va faire un long chemin jusqu'à Pandora. Pour aller libérer le copain Alice et. En plus, Pandora. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour suivre la série des copains et mes séries. Et sur ce, portez-vous bien! Bye bye!